Hey, Red. We're not gonna get away with this, are we? Merci, Nassou. Come on, pull. There. Together again. Évitez ce genre de truc pendant le live, s'il vous plaît, les gars. Sinon, ça sert à rien. Et évitez ce genre de truc, sinon je vais supprimer tout le monde. Ça sert à rien de m'inviter à les parties, les gars. Vous voyez que je suis en train de jouer un jeu solo en plein stream et tout. Allez, c'est parti. Salut à toi les gaz. Allez, on est parti les gars. Yikes. Found us already. Alors, je me rappelle plus trop comment ça se passe les gars sur le jeu. Faut que je me remémore un peu. So do I. Run again. Wow, 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 wow. Okay, okay, let's go. Unmarked alley. East of the bay. Think I know where we are. More of these creeps. Look, don't hey, c'est bon. Just... Voilà, le pire dans ce jeu c'est ça en fait. Donc c'est le turn, donc ce qui est le pire sur le jeu. What up, biatch? C'est ce genre de turn en fait qui est absolument magnifique sur le jeu, c'est Bon, si t'as pas trop l'air de comprendre Dark, je vais te delete mec parce que j'ai pas envie de gâcher mon let's play, tout ça parce que déjà on m'évite dans un truc que je comprends pas. Et salut à toi, désolé j'ai pas vu ton pseudo. The Noob alias Alex ou Axel, excuse-moi. J'ai vite vu ton pseudo s'écrire. Donc c'est un style de jeu très particulier déjà. Les gens, excusez-moi, j'arriverai pas à le définir comme ça. Après c'est à voir si vous kiffez ou pas. Moi personnellement je suis fan de ce jeu quoi. Y'a pas de soucis univers, passez une bonne soirée. There's the empty set. Salut Black Knight. Still too close to it. We better get as far from there as possible. Il est sur PC aussi Nassou hein. Il est disponible sur Steam hein. Mais c'est bête que les gens prennent pas le temps de regarder le jeu en fait. C'est super bête quoi je trouve. Block party up ahead. De partir comme ça directement alors que. On va essayer d'avoir. Ok. C'est pas une tour par tour, hein, par contre. Hein. Ça va, je me suis. Il est gratos. Non, non, il coûte 12€, je crois. Passez une bonne soirée à toutes les personnes qui vont se coucher. Ah, il y a quelque chose là-bas. Hi. You okay? I see. Sure. She wants to come along. We can use her. Marius, ça fait deux fois, mec. La troisième fois, je te kick, gros. Je te le redirai pas une troisième fois. Tout à l'heure, sur Poulpe, maintenant les blagues. Donc, évitez les blagues. C'est écrit dans le chat, dans les règles de vie, les gars. Donc, je vous conseille de lire les règles de vie avant de. Lynx, merci du follow. Chaud dégagé. C'est très particulier quoi. Ouais, t'inquiète pas, Désert, je connais le jeu, mec. Te casse pas la tête. Je connais le jeu, donc je sais un petit peu ce qu'il faut faire. Gross. Tu sais qu'il peut avoir un système de. Le brèche fait beaucoup plus mal dans le dos. Merde. No
Ouais, doucement, mec. Ça serait con de se faire bannir tout ça parce que tu écris des trucs totalement what the fuck, mec. Donc, du calme, du calme. Passez une bonne soirée, Nono. Donc là, on est parti pour un truc un petit peu en mode détente, les gars. Et bien sûr, après l'action, un petit peu la détente. Moi, ça me fait du bien. Ça, surtout, pardon, que je kiffe ce jeu. Là, il n'y a plus de genre ça tire dans tous les sens. Les réflexes, pas les réflexes. Là, c'est vraiment un petit peu de la stratégie. Il y a pas mal de trucs à faire. Salut à toi, Marco, et merci du follow. Alors, pour toutes les personnes qui débarquent sur le stream et qui se disent, mais putain, c'est quoi ce jeu? Le jeu commence comme ça et tout. On n'a pas de réponse, nous aussi. On commence sur le jeu, donc on débute. On se retrouve avec un personnage, une femme qui s'appelle Red, et avec une épée qui nous parle, le transistor. Le transistor, si vous préférez, The Transistor. Et donc, cette âme nous parle et nous guide. Et donc pour l'instant on est comme tous, je suis comme tout, comme vous tous quoi, en fait je suis un petit peu perdu, donc j'avance tout simplement en essayant de trouver des réponses et en essayant de tuer tout ce qui se trouve sur mon chemin. Ok, sachant que les décors du jeu sont juste magnifiques, la musique est juste énorme, regardez-moi ces images. Ça veut dire quoi ça? J'ai envie d'observer un peu, mec. Ça veut dire que parce que tu es en forme, donc tu dois troller les gens, mec. Donc, si je me rappelle bien, la madame, il faut que j'arrive à la tuer de dos. Je savais, putain. C'est la piache quoi. Merde. Ah, c'était pas la bonne. Ah, le con. Elle va me spot direct. Elle va me spot direct. À moins que non, mais. Ah, ça va. Ah, il y en a un qui a réussi à se transformer. On va le tuer comme ça. Pas la peine de se prendre la tête à ce. Le jeu est vachement joli, les musiques sont vraiment ouf. D'ailleurs, je vous conseille de prendre l'OSTFR, n'importe quoi. La soundtrack du jeu, parce qu'elle est vraiment magnifique. Le jeu dans l'ensemble, c'est vraiment une dinguerie. Et le style de jeu est très particulier. Et, moi, je suis vraiment fan, quoi. Hey, Mr. Moyle, you in there? It's him, alright, but I can barely. Tout à fait, Lynx, ouais, tu as raté. Tu as la rediff directement sur YouTube. Donc là, j'ai trouvé le jaunt, qui est une sorte de dash en fait, en réalité. Oh non. Cut off our speed. Salut à toi, Speedy. Passez une bonne soirée à RD. RCD, pardon. Je lui ai fait grave mal là. Franchement, je lui ai fait grave mal à l'entrée de jeu. Alors, j'ai mal calculé le truc, j'aurais dû faire ça. Est-ce que j'arrive à toucher celui du fond? Donc une attaque sournoise est bien plus efficace sur un ennemi. Donc les combos sont à privilégier aussi sur le jeu. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à réaliser. Pas mal de combos, d'attaques actives et passives. C'est vraiment un jeu de fou. Ce qui est dommage sur le jeu, c'est qu'il y a une petite mise en... Il y a une grosse même mise en... Je sais pas comment on peut dire ça en fait. Il faut pratiquer beaucoup pour comprendre un petit peu... Le jeu est pas facile en fait, il est pas intuitif. Je trouve que les menus sont assez compliqués quoi, voilà c'est... Donc ça j'adore le Bounce. Le masque...
Donc voilà ce que je disais tout à l'heure, en fait vous avez des fonctions, donc des fonctions que je peux débloquer, sachant qu'on peut en obtenir que 4. Mais dans ces 4 fonctions actives, on peut mettre des passives, sachant que chaque action, par exemple vous voyez que sur la fonction Bounce qui ricochet et déflecteur, en action, en emplacement actif, ça fait une décharge, un éclair déflecteur qui ricoche d'une cible à une autre. Mais si je le mets sur un passif, en tant que passif, ça confère un effet de réaction en chaîne à la plupart des fonctions. C'est-à-dire que si je le mets juste sur celui-là, ça enclenchera une autre chose. C'est totalement what the fuck. Et après, il faut tester chaque fonction en passif et en actif pour voir avec lequel ça collerait le mieux et tout. C'est vraiment un truc de fou. Ouais, franchement, il est super, il est vraiment, vraiment, vraiment cool. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent, ouais, c'est bon, il est prise de tête et tout. Mais il faut vraiment se plonger dedans. Et moi, je trouve qu'il est vraiment fun. Donc, je vais pas changer, hein, je vais prendre le Bounce, le Bounce. Sachant que, voilà, dès que vous avez ces fonctions, vous avez ces petits points d'accès pour paramétrer vos fonctions. Donc, on rentre dans le menu là, utiliser l'un. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc j'ai mes 4 fonctions. Le premier qui est Crash, le second qui est Brèche, Spark et Jaunt. Spark, c'est la petite attaque qui fait une sorte de petite boule qui explose dans tous les sens. La première, celle-ci est l'attaque de base, le petit coup. La Brèche est une grosse attaque, la longue que je fais pratiquement tout le temps. Donc je combine souvent Crash et Brèche de dos. Et ça enclenche une attaque sournoise. C'est comme si vous avez un coup de traître, quoi, un coup de pute. Voilà, c'est un truc sournois. En fait, le fait de varier les deux, de mélanger les deux, et en se mettant dans le dos, en fait, ça fait comme un coup critique à l'ennemi. Sachant que là, pour le moment, c'est que des actifs. Mais celui-ci, en fait, j'ai pas de place. Donc, ce que je peux faire, c'est soit je mets celui-ci en passif sur une des attaques. Donc là, à l'occurrence, si je le mets en passif, ça me fera nombre de rebonds x 5 et portée de rebonds 350, réduction des dégâts du rebond 20%. Ce que je vais faire, c'est pas ça du tout en fait. Je vais annuler tout ça. Alors attendez, comment j'annule tout ça? Je vais supprimer, voilà, je vais supprimer celui-ci et je vais mettre celle-ci en 3 en fait. Voilà. Et je vais mettre ça en passif. Particule par coup 3, rebond par particule 2, dégâts de particule 5. D'accord. Donc vous inquiétez pas, je sais à peu près ce que je fais, sachant que je suis un petit peu fatigué. Donc vous pouvez remarquer que sur votre gauche, vous avez une barre. Je sais pas comment vous le dire, sur le premier, en fait, vous avez une barre verte. Sur celui-ci, il y en a 3. Sur celui-ci, il y en a 2. Sur celui-ci, il y en a 3. Et sur celui-ci, il y en a 2. Sachant que sur le côté gauche, vous avez une sorte de mémoriel ou mémorial, je sais pas comment ils appellent ça. On a un stade. On peut pas passer plus. Donc là pour le moment j'ai des attaques qui demandent un minimum, mais je peux avoir des attaques qui demandent 4 ou 5 points. Il faut que j'arrive à varier pour que ça soit. Là il m'en manque combien? 2, 4, 5. Donc si je franchis les 5 paliers, je ne peux pas utiliser l'attaque. Donc il faut varier. Je ne peux pas utiliser par exemple 4 attaques qui font 5 de paliers. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je dépasserai et du coup je ne pourrais pas utiliser cette attaque. C'est un petit peu dur à comprendre. Je suis désolé de vous expliquer tout ça et de vous mettre tout ça comme ça en tas dans la gueule. Mais vous allez voir tout au long du jeu. Je pense que vous allez comprendre petit à petit et c'est vraiment un truc de fou quoi. Hop là, c'est parti. Non, non, je dirais pas Bastion 2, Gloot. Ça a carrément rien à voir, mec. C'est notre style. Alors, sachant que j'ai tué déjà ce robot, le process mise à niveau a détecté en fait un nouveau robot qui est 2.0 et il est en mode représailles, donc il est un petit peu vénère. Je vais essayer de faire ma fameuse attaque. Et l'attaque que j'avais faite tout à l'heure, c'est carré. Donc vous allez voir que c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Je me taille. Donc ne croyez pas, c'est très très dur. Sachant que si je meurs, je perds une compétence. Donc vaut mieux pas que j'en perde. Ok. Ok. Parce que ça peut me mettre mal. Alors je vais essayer de faire un truc. Comme d'habitude, le petit crash mélangé avec la brèche. Et je vais envoyer le petit coup de carré. Alors ce que vous voyez pas en fait le bounce. En fait, le bounce quand je le jette, ayant mis le passif qui explose, en fait, ça fait rebondir et ça explose sur les ennemis. C'est pour ça que je l'ai mis en passif. Je vous montrerai par la suite le bounce.
sans ce passif là à un autre effet. Et c'est ça qui est intéressant sur le jeu, c'est que c'est totalement un truc de fou quoi. Donc là, s'il me bloque, je suis mort. Sachant que regardez, il m'a fait partir presque la moitié de ma vie. Ok, un petit crash, un coup sur noix. Ah, j'ai fait un combo. D'accord, et là c'est bon, je l'élimine. Ah, je suis désolé les gars. Ah oui, 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 franchement, les graphismes, sont, c'est du Bastion, quoi. C'est du Bastion. Mais il est très, très intéressant comme jeu, franchement, je vous le conseille. Donc voilà, là, par exemple, ce que j'ai fait, en fait, cette technique me plaît pas. D'avoir mis le passif, ça me plaît pas du tout. Donc à tout moment, je peux supprimer et changer l'attaque, en mettre une autre, pardon. Ce qui était bien aussi, mais je ne le ferai pas, j'ai mis plus tard, quand j'avais joué au jeu, Transistor FR. Merci du follow, je sais pas si ça existe vraiment ou tu as créé ce compte, mais merci du follow. J'avais mélangé Crash et Brèche, c'était particulier, franchement c'était particulier. Je sais pas si c'est vrai, ça vaut vraiment le coup de le faire, sachant que le combo fait très très mal. Il y a pas mal de trucs à faire, franchement c'est vraiment un truc de fou. Donc on va arrêter de parler. Fais chanter Red s'il te plaît, je sais pas si on peut le faire pour le moment. Non, je n'ai pas la fonctionnalité gros, je peux pas le faire. That's our way out. Allez hop, c'est parti. Donc là, je vous laisse savourer les gars. C'est hard. Okay. E64 on ramp. 5 blocks down. Take the second right. Do not turn left. And thanks for the lift. Regardez-moi ça les gars. Vous allez franchement, je sais pas si vous kiffez le délire, mais moi je suis trop fan quoi. Calme, la moto, elle était énervée. Poor bike. Just 10 more blocks to the set. Allez, on est reparti, les gars. They beat us here. La moto la plus moche du monde, t'es ouf, mec. T'es ouf, c'est moche. Stronger. Ok, procès mis à niveau. Rien de découpe. Ah! Tu fais plaisir. Donc voilà, vous voyez que là, en attaquant la cible devant moi, ça fait quand même des dégâts aux personnes qui sont derrière moi. Donc c'est un truc de fou. C'est ça que je me suis dit, franchement, je suis vraiment fan de cette attaque avec ce passif, quoi. Alors, de préférence, les gars, essayez un maximum de privilégier... là, par exemple, là, je fais un truc. Là je suis en train de me manquer, là je me balade et tout. Vous avez vu que le turn, quand je suis dans le turn, en fait j'ai une barre en haut qui défile. Cette barre quand je suis full en fait, je peux plus aller plus loin. Donc ce que je fais c'est que je l'enclenche avec R2. Et en fait tout ce que je fais dans le turn, qui est une sorte de réalité, comment dire, c'est comme si on mettait le jeu en pause en fait, tout ça va se passer en version accélérée. Sachant que si je me gourre, j'ai juste appuyé sur une touche pour repartir à zéro. Par exemple là j'ai vu qu'ils sont bien alignés les deux. Donc je vais essayer de faire quelque chose pour essayer de casser les deux en même temps. La brèche, je sais pas si ça va faire quelque chose, non. Donc ce que j'ai fait, c'était pas si bien que ça. Allez, on est reparti. Donc à tout moment, voilà, vous pouvez faire des trucs qui sont d'une part plus intéressantes, vous pouvez vraiment changer. Alors ça, c'est le truc que j'avais du mal à comprendre en fait. J'ai du mal à marquer un ennemi des fois. Je comprends pas pourquoi. Donc là, j'ai manqué, sachant qu'il a bougé. C'est une sorte de réalité virtuelle, je sais pas si on peut dire une réalité virtuelle, c'est plus une sorte de pause, je sais pas comment on peut dire ça. Sachant que tout ce que je fais dans le turn, je peux le faire aussi dans la vraie vie. Bien évidemment, j'ai pas la pause. Donc ce qui se passe, si je meurs,
C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui me disaient ça la première fois que j'avais fait Galerius. Une épée qui parle, ça me rappelle Wakfu. Dans la partie avec la moto, il y avait quoi de bien? T'es sérieux, Cacahuète? On n'a pas le même délire de... On n'a pas le même délire de jeu et tout, frère. L'image était juste magnifique, frère. L'ambiance, le décor, la moto, les effets et tout, frère. Non? Pour toi, non, il n'y avait rien d'extraordinaire. Alors ça y est, je crois qu'on peut chanter avec Red. Donc un truc qui peut être bête, vous restez appuyé sur la touche et en fait elle fredonne un air de musique. Donc après je sais pas si ça plaît aux gens ou pas. Moi ça me fait kiffer. Allez, ben on essaiera de faire ça à des airs. Allez, pourquoi pas. Ben elle a roulé, c'est tout. Mais c'est laisse tomber, Cacahuète, laisse tomber, mec. Laisse tomber. On va essayer de faire ça, désert. Donc je m'ai dit le top c'est de mettre Bounce dans l'espace actif de Brèche. Dans l'emplacement actif de Brèche. Ok, on va voir. On va voir ça de suite. Alors attends, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Alors on a mis Bounce dans Brèche. On va voir ce que ça va donner. Et je vais laisser celui-ci ici. Ok. On va tester, hein, sachant que je l'ai pas fait. Il faut tester, plein de combinaisons, les gars. Ok, 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 autant pour moi, ça a l'air hard. Alors sachant que ça me suce la vie, excusez-moi, j'ai pas trouvé d'autres mots. Ok. Ok. Oh le bâtard. Je sais pas, hein. Franchement je sais pas si la combinaison Je sais pas si la combinaison elle vaut vraiment le coup, mec. On compte sur toi pour trouver la combinaison ultime. Y a eu pas mal de forums et tout sur ce jeu parce que c'est vrai que les combinaisons sont nombreuses et load. Ah le load, non j'étais pas trop fan, génère un paquet d'explosifs. Ce que j'aimais bien, par contre, ce que j'aimais bien c'était le switch. En fait qui rend l'ennemi allié pendant un court instant. Je pense que je vais prendre le switch. C'est quoi le nom du jeu? The Noob Axel, c'est Transistor. Alors qu'est-ce que je voulais faire? You've reached the hopefully not permanent address of Mr. Nobody. Alors en fait je vais mettre celui-ci en 2. Le 3 je vais l'enlever. Le 3 je l'enlève, je vais remettre Brèche avec les explosions. De toute façon, vous inquiétez pas, je testerai des trucs. Ensuite, je vais mettre l'explosion comme j'avais fait tout à l'heure. En fait, c'est quoi? Projectile x3, dégâts réduits de 50%. On va laisser ça pour l'instant, on verra par la suite. On verra par la suite. Et je vais mettre ceci sur le turn, sur le dash. Ce que j'avais fait déjà. There's
saying everyone up and left. Nothing to see here. Suis étonné para sinon que tu le fasses sur PS4. Pourquoi t'es étonné mec? Je l'ai vu sur PS4, je l'ai pris direct. C'est vrai que j'aurais pu le prendre sur PC mais Admin's just towing the line. Yeah, I'll say. A plus FT67. Out of the channel in record time. Merci mec d'être passé. Bien sûr que je le ferai. Trouble. Popping up like weeds. We're off. Allez, alignez-vous, bande de chacals. Alors, j'ai fail complet. De toute façon, on retestera. C'est pas perdu, mec. Hein. Tu sais, tout ce qu'on fait maintenant, c'est des tests. Donc, vous aussi hein, qui regardez la rediffusion sur YouTube, alors regardez là en fait, actuellement ils sont en train de se healer avec ces sortes de bêtes qui s'appellent Weed, mort de rire. Donc, à détruire de toute urgence. Si vous avez une combinaison, des combinaisons à partager sur les rediffs de YouTube, je suis vraiment intéressé de tester tout ça, les gars, donc n'hésitez pas. Merde, alors là j'ai fait beaucoup de choses pour rien, sachant qu'un coup ça l'aurait tué. Non, il n'y a pas de coop sur le jeu mec, c'est un jeu solo, donc pas de coop. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, c'est hop, là en fait j'ai mélangé le dash avec le... Je le traverse, pourquoi ça? Merde, je comprends pas. Ah, on peut le faire peut-être qu'une fois, je ne sais plus. En fait j'avais mélangé le dash avec l'espèce de compétence qui rend allié en fait les ennemis pendant un court instant. Donc du coup... Il solde pas. Non, mais par contre, si tu as un PC, je pense que tu pourrais jouer dessus, mec. Alors, on va retenter le coup parce que c'est vrai que. On va retenter le petit truc à désert. Alors, attendez, j'enlève tout. Voilà, je vais garder le premier. Allez, c'est reparti. Donc, brèche. Avec Boons en passif, en 3 on va mettre ça, et en 4 en hop, avec le cœur ici. Je suis pas joueur PC, ah bah ça va être dur pour toi mec. Get ready to get jumped. Or not. Let's not stick around. On s'éternise pas, on s'éternise pas. We could just sit and watch the world go by. Ok. Ok. Got some kind of chew. He didn't even blink. Alors sachant que ça aussi ça les heal et tout, putain ça fait chier. Attendez. Franchement, ça vaut pas le coup en fait. Ça vaut vraiment pas le coup, sachant que l'ennemi. Il se fait. Alors en fait, là ce que vous voyez en haut là, c'est une sorte de protection. Donc tant qu'il est dans cette protection, je peux rien lui faire. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Sachant que ça devient mon allié, je peux me healer directement grâce au robot. No good, he's amped up. Ok. Alors par contre, voilà, ça c'est le souci, j'aurais pas dû le faire.
En fait, pendant qu'il est allié, je peux pas l'attaquer en fait, je peux pas le verrouiller. C'est ça qui est énorme sur le jeu désert. Presque 3000 followers, tu dois trouver une autre idée. J'ai pas compris le délire là. Je sais pas si le cœur ça vaut vraiment la peine sur le... On verra. C'est pas une fonction que j'utilise. Plus qu'une heure avant Ultra Street Fighter, mort derrière Spade. Alors grosse déception, je sais que ça n'a rien à voir avec le jeu et tout, mais j'ai cru comprendre que Evolve était repoussé jusqu'en février 2015, donc pour toutes les personnes qui n'ont pas eu la nouvelle, voilà, vous l'avez in live. Donc c'est un peu dur là, franchement, coup à la tête. Bon bref, tout ça pour dire que si le jeu est repoussé, tant mieux d'un côté parce que ils veulent pas le sortir bâclé. Après ça va être chaud. Ça fait un peu chier quand même. Says the process wiped him out. He's too far gone. Mais y a pas mal de personnes qui me parlent de faire live vodka 2.0. They know we're here. Donc je sais pas du tout encore ce que je vais faire. Alors ah, puissance de feu x2, ça pique. Alors sachant que là si je fais ça, je le savais. Ok. Putain le bâtard, il faut que j'arrive à l'éliminer. Moi je vais taper dans la weed. Je pense que c'est un bon truc à faire. Pas de sous-entendu les gars quand j'ai tapé dans la weed. Parce que je vous connais. Ok. Good to go. Soigne-moi à moi, allez. En fait ça me soigne pas, ça me donne, ça me remet le turn à fond. Ça peut être intéressant en fait, ça peut être vraiment intéressant. Deux attaques sournoises. Moi je vais découler la richine le truc. Ça me saoule la vérité. En fait, il faut faire que des attaques sournoises sur ce bordel. Parce que sinon, elle vous grille. Pas du tout, Aoshiro. Faudrait tester pas mal de trucs désert. Essaye de m'envoyer des petites combis sur Facebook si t'es chaud, mec. En privé. C'est bon. Alors, vite. Est-ce que tu peux attaquer sans utiliser le turn? Tout à fait Galarus, je viens de te le montrer à l'instant gros. Tu peux utiliser, après le truc c'est que c'est plus facile et tu peux plus... En fait tu prévois tes coups quoi, tu... Donc c'est mieux dans un sens parce qu'en fait tu peux calculer tes attaques. Donc c'est le but aussi du jeu de jouer un petit peu la stratégie. Même si des fois, je vais pas te mentir, en fait c'est stratégique mais à la fois tu vois c'est dynamique parce que genre ça bouge dans tous les sens et tout. Donc à la une, la célèbre scène en plein air. Ok. Not a word about the camarada. Trying to keep everyone calm. Maybe they'll post a correction.
Ah non, mais c'est tout à fait ça, Wolf, hein. C'est tout à fait ça. Moi, la première fois que j'ai testé, j'ai fait, ah ouais, mais attends, et si tu combines ça avec ça? Oh, mais c'est un truc de fou. Mais en fait, attends, si je le mets plutôt celui-là en passif et celui-là en actif, et d'un coup, t'avances un peu plus dans l'histoire, tu débloques je sais pas comment on appelle, des compétences, et d'un coup, tu te rends compte, tu fais, mais en fait, putain, c'est complètement énorme, quoi. Déjà, la patte graphique, moi, je kiffe. Ensuite, tu vois, tu peux faire des multitudes de combinaisons sur le jeu. Il y a vraiment des trucs qui sont vraiment très 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 intéressants. Après, j'aime les cheveux rouges. C'est vrai que c'est stylé. Merde, je me suis trompé, je suis reparti. Après, c'est pas non plus un truc de malade mental. Mais voilà, c'est un petit jeu qu'il faut tester, quoi. Moi, personnellement, je vous conseille vraiment à le prendre, à le télécharger sur Steam ou sur PS4. Je crois qu'il est sorti aussi sur Xbox One, j'en suis pas sûr. T'as j'aimerais. Ah. Y'a pas de soucis, désert, on voit mec, on voit. Donc le moment qu'on kiffe tous, hein, bien sûr, pour toutes les personnes qui ont vu déjà le live précédent sur Transistor. C'est une partie que je kiffe. Only PC et PS4, merci Blood. Blood, c'est le mec qui t'envoie les trucs directement. Allez, c'est parti les gars. Je vous laisse apprécier un petit peu le délire, les gars. Je me tais, à de suite. When you speak, I hear silence. Every word a defiance. I can hear, oh, I can hear. Think I'll go where it suits me. Ne vous inquiétez pas, tous les jeux que vous avez cités, je les ferai, les gars. Et je vous conseille de prendre la soundtrack, les gars, du jeu. Donc là, ça en dit un peu plus sur ce qui s'est passé sur le passé. La voix du transistor. C'est un truc de dingue. Je savais qu'il y en a qui allaient péter les plombs sur ce jeu. Je comprends que c'est pas du goût de tout le monde, mais. She's here. Look who it is. Hello again, Sybil. You. Alors, premier boss du jeu. Je vais pas vous mentir, je vais essayer un petit peu de me concentrer. Écoutez la musique, juste je vous laisse kiffer le délire. Alors faut pas qu'elle m'enlève une compétence les gars ou sinon je meurs et c'est... Donc ça risque d'être chaud, je vous le dis direct. Sachant que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je sais pas comment ça va se passer. Sachant qu'elle bouge beaucoup.
Faut que je t'écarte, faut que je t'écarte un maximum. Salut à toutes les personnes qui arrivent sur le stream. C'est vrai, j'avais oublié que j'avais ce... Oh ok, 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 c'est cool. Allez, une petite attaque sur nous, s'il te plaît, non. Oh putain. Non, non, non. Sachant que ça enlève une attaque, les gars, mais je ne sais pas laquelle. Je crois que je vais pas tenir. Oh putain. Putain, je fail en plus. Non, non, non. Oh, ça pique. Elle me touche une fois, je suis mort. Round 3. Oh putain, non, c'est quoi qui m'était enlevé le turn? Non. Ah non, le turn m'a sauvé la vie. J'allais dire le turn m'a été enlevé, mais je suis fou mec, je peux pas. Voilà, j'ai perdu quoi? La brèche. Ah, ça pique, putain. Ah, elle est invulnérable. Putain, j'ai perdu le... Chier. Là, si j'aurais tapé... En fait, elle se régénère, cette biatch. En fait non, je vais rien faire, je vais attendre que, voilà. Putain, le sport quoi. Oh là là, elle m'a enlevé la moitié de la vie, putain je fais de la merde les gars, je suis... Ça va être très très dur de la battre là. Je crois plus trop en fait là. Je fais de la merde, je fonce dessus. Essayer les gars, franchement je vais pas vous mentir, je préfère essayer. J'ai perdu la meilleure attaque. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai perdu la meilleure attaque. Comment il a récupéré cette compétence? Si en fait la compétence tu la récupères mais un peu plus tard mec, dans le jeu, donc tu la récupères pas tout de suite et c'est très compliqué en fait. C'est très compliqué, sachant que c'est une attaque au hasard qu'elle nous supprime à chaque fois, donc faut que j'essaie de la jouer de façon plus intelligente. Est-ce que je peux l'avoir comme ça? Non. En fait, faut pas qu'elle s'approche de moi en fait. Bah, le délire, c'est facile hein. En soi c'est facile, en fait il faut vraiment que j'arrive à jauger mes attaques et mes déplacements en fait. Faut pas que je fasse le con. Sachant que j'ai tout misé J'ai tout misé sur cette attaque, elle a failli m'attaquer. J'ai tout misé sur cette attaque qui est le brèche. Donc si je perds cette attaque, c'est un petit peu...
Comme si on mettait une épine dans le pied, mais une épine de ouf quoi. Alors je vais attendre que le turn se recharge. Donc premier fail du jeu, je suis désolé, hein, c'est pas très beau joli à voir. Sachant que je l'ai jamais perdu contre elle. Faut un début à tout. Alors on voit tous tes bébés là. Voilà. Ce qui est bien aussi à faire, je vais envoyer tout le bordel là. Je vais essayer d'en péter un maximum. Ok. T'approche pas de moi. Oh la biache. Moi je m'en sors un peu mieux que tout à l'heure. Je pense que le combo il va faire mal. Il va faire mal, il a fait très très mal. Il a fait très très mal. Elle est protégée cette biache, je peux pas l'attaquer quoi. Ok. Ah merde, je t'ai attaqué toi aussi. Quel con. Je vais m'occuper de toi. Tes attaques sournoises plus le combo réuni quoi, c'est un truc de malade. Le truc ça le défonce, mais d'une violence. Alors où est-elle? Merde, j'étais con sur le coup. Oh wow 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 wow. Ah j'ai pas vu, elle est encore protégée, fait chier. On va attendre un peu, je vais pas faire le con. Yes. Toi je te défonce. Putain, j'arrive plus à la cibler, ça me saoule ça. Salut à toutes les personnes qui arrivent sur le stream et bonne soirée à toutes les personnes qui s'en vont. Je suis un petit peu sur le boss donc c'est un petit peu hard. Ne vous inquiétez pas, ça va. On va se la faire. J'aurais pas dû l'enclencher maintenant. Je vais attendre qu'elle ouvre son truc là. J'ai l'impression que quand elle se met sous cette forme, elle est plus vulnérable. Du moins. Pas d'attaque sournoise. Salut Warrior. Très rapide cette biatch. Ok. J'ai l'impression qu'elle fait 3 attaques en fait, elle cherche ses attaques, elle en fait 3. Ok. Elle est plus que 50 chutes les gars. Faut pas qu'elle m'enlève hein. Merde le mur. C'est bon, je pense qu'elle est faisable. Thank you.
again, Sybil. Your camarade friends. I want you to tell us where they are. Donc vous avez cru, on a cru comprendre que la camerata ou la camerata, dit normalement, étaient les ennemis du jeu. Donc on vient d'en battre une sur 5, je crois qu'il y a 4 boss, 4 ou 5 boss. Alors l'histoire du jeu Titanium, on commence avec un personnage, une chanteuse à l'occurrence qui s'appelle Red. On trouve une épée qui parle, le transistor. Et en fait on avance petit à petit dans l'histoire, on ne sait rien du tout en fait, c'est comme si c'était le flou total. Et on avance en tuant tous les ennemis qui se trouvent sur notre chemin, jusqu'à comprendre là, la première cinématique que la Camerata en fait, un groupe de personnes a essayé de nous tuer, mais une personne nous a sauvé la vie. Et du coup le transistor s'est placé dans cette personne, et il s'avère que le transistor veut nous aider pour trouver la fameuse Camerata pour qu'on se venge. Si j'ai bien compris en résumé, c'est ça. Alors après peut-être j'ai dit de la merde. We got our lead. We're going downtown. The process will be waiting for us. Merci Warrior. Il n'y a pas de... Après c'est quoi en fait? Après c'est dodo les gars, sachant que j'ai travaillé 12 heures aujourd'hui, je suis un petit peu KO, donc le live commençait à 23h si vous n'avez pas été... si vous n'êtes pas au courant. Je l'ai annoncé depuis... j'ai fait la vidéo en fait hier soir, je l'ai posté aujourd'hui, excusez-moi si j'ai eu une petite remontée. J'ai posté la vidéo à 2h, donc bien évidemment si vous voulez pas rater les débuts de stream, je vous invite à follow sur Twitter, Facebook et YouTube. Je balance les infos sur Twitter, YouTube, je balance tout à droite à gauche, donc je vous invite vraiment à follow. Et là on va se barrer tout simplement, et bonne nuit à toutes les personnes qui vont se coucher. Donc là on vient d'avoir une compétence qui utilise à l'occurrence 4 points, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Et il est en rouge, pourquoi? Parce qu'en fait dans la barre de progression tout à gauche, je ne peux pas le mettre, je peux au maximum mettre 3 points. Et là pour le coup j'en ai 4, donc ça pique un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever en fait la compétence du cœur pour plutôt confère la plupart des fonctions, une chance d'empêcher la génération des cellules. Ok, invoque un allié pour vous prier. Donc si on fait ça, ouais, et qu'on met ça en passif, allié généré 2. Ok, ouais, je crois que je l'avais déjà pensé ça, j'avais déjà fait ce test. En fait, en mettant le chien, alors le chien c'est comme si c'était compté comme une deuxième personne, un deuxième personnage au jeu, en mettant en fait en passif le Spark, ça me confère, au lieu d'avoir un chien, je peux en avoir deux en fait. Vu que c'est un truc qui divise les attaques, donc du coup ça me divise l'attaque et ça m'en procure deux. Donc ça peut être intéressant. Donc on va voir ce que ça fait. Donc voilà, sachant que quand j'ai ces deux chiens, je peux aussi utiliser les chiens en tant qu'attaque. Donc voilà, hop, je bascule sur l'autre chien. Et après je rebascule sur moi. Donc je peux avoir plus d'attaques. Et là du coup c'est... Donc voilà. Après c'est peut-être un kiff, pas un kiff. Ça me procure plus de chances de... Sachant qu'il reste assez longtemps. Pourquoi il bug? Tu bug mon ami? D'accord. Ok. You'll be back someday. Allez on se taille. J'essaierai ça par la suite, Désert, ouais. Tout à fait, Jam. La personne qui parle depuis tout à l'heure, c'est le transistor, c'est l'épée. Camerata. Sybil was their eyes and ears. Got close to you. To us. They were hunting people. Don't know for what. But... bet I know who does. I'm gonna ask him why. And I have this feeling he's gonna let us know. Passez une bonne soirée, Titanium.
close as the river's gonna take us. Ok, on est reparti. Ok. Road to high rise should be right around the corner. Mais en fait, mec, c'est quoi? Ça a rien, s'il te plaît, cacahuète, arrête. Arrête, mec. C'est le délire, c'est le background du jeu, mec. Si tu adhères pas, gros, c'est ton problème, mec. Heads up. These are new. D'accord, en fait. Alors, en fait, attends, les chiens, je peux les faire venir. Get him, girl. D'accord. Merde. Le truc s'appelle snapshot quand même. Challenger. Merde. Du coup le bordel on l'a king bang quoi. Ok. Sachant qu'il attaque tout seul aussi, sans que je lui dise d'attaquer. Mais j'ai rien besoin de savoir, Flashy, te casse pas la tête pour moi, mec. Passe une bonne soirée, Parano. Parano de ouf. Je stream tous les soirs, mec. C'est vrai, il y avait un coup, je sais pas s'il y a un succès à faire. Fun. Je sais pas s'il y a un succès à faire avec le bordel. Ouais, Audric. Pas encore disponible. Alors, ça, en fait, c'est un truc de test, un test de vitesse. Oh là là, je pense qu'on va rigoler. Je pense pas que je vais le terminer. Même pas fatigué, mais moi je vais pas te mentir, je commence à l'être. Du sable, test de vitesse 1 sur 6. Donc lancer le test, supprimer le process en 32 secondes. What? Pourquoi j'ai pas. Ah d'accord, ok, c'est des attaques. D'accord. What the fuck? Why not? Pourquoi ça bloquait? Peut-être faudrait que j'arrive à les attirer, mais il y a déjà plus que 20 secondes, frère, t'es sérieux? Je vais jamais réussir à le faire, ce bordel. En plus, Marius. T'es ouf, frère? 20 secondes, je vais me faire défoncer. Ok. Passez une bonne soirée à toutes les personnes qui s'en vont. On va voir ce que ça fait hein, exactement. En fait, ils ont mis le masque en 10 secondes pour péter ces trucs. Sachant qu'il reste encore là-bas. Faisable. Donc c'est la dernière chance les gars. You weren't fast enough. Tout ça parce qu'il fallait que je prenne la cellule là, là. C'est du n'importe quoi. La musique fait online Miami, Outline Miami, tout à fait Spade. Ouais. Je vais réessayer encore une fois. Direct. Okay. Vous savez que j'essaie de rapprocher de plus en plus des ennemis en fait. Ça peut être pas mal là comme ça.
Allez, dis-moi qu'il y a moyen d'avoir les deux, ouais. Oh, l'alignement était parfait là, ça aurait été cool là, non. Il y a moyen. C'est bien, chacal. Mets-toi dans... Merde. Ah merde, c'était plus... Non. T'es sérieux, mec? À chaque fois que je fail à quelques secondes. Ah, y a pas de soucis, Warrior, t'inquiète pas, mec. Vas-y, on va. Je suis dégoûté, quoi. Non, 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 désert, non, je pense pas, non. Non, te casse pas la tête, Flashy. J'ai pas trop le temps, mec, sachant que demain je commence très très tôt et tout. Je pense que ça, en fait, c'est juste un test pour tester quelques combinaisons sur le jeu, des trucs que peut-être on n'y aurait pas pensé ou. Allez, c'est reparti, sachant qu'il est quelle heure là? Il est moins de 10. D'accord. Pino, c'est un système ou c'est un utilisateur, mon boot? Non, non, c'est un humain. Mort de rire, Tita. En fait, il envoie les commandes de mon boot. Tout à fait, Akira. Ouais, j'ai vu la news, ouais. Hélas, oui, et on a fait un petit débat au début à savoir si c'était vraiment intéressant de rester sur Twitch ou de partir. Donc, alors, on va changer ces bots personnellement derrière. Alors, on va supprimer ceci. C'était lequel que j'avais mis? Bon, ça, de toute façon, on l'avait enlevé. Alors, d'accord, ça reste le même effet de chance, d'accord, ok. On va essayer comme ça. Sachant qu'on pourra après par la suite augmenter. Ok, je pense qu'on va rester comme ça pour le moment. Ah, peut-être on peut mettre le cœur du coup. Ok. Bon, ça va être raté pour l'attaque sournoise. Je crois que... D'accord, ça n'a pas eu le succès escompté, mais... Moi, je peux m'en tirer. Alors, j'aimerais bien faire... Comme ça au moins ils me casseront pas la tête pendant 4 secondes. Je voudrais
très très mal les gars, je suis KO là. Enfin, je vais pas vous mentir, je suis épuisé. Mort de rire, le bordel se taille quoi carrément. Ouais, je les teste, ouais, je les teste. C'était pas non plus extraordinaire, mais c'était pas de la merde, quoi. C'est Hadzar, Yoki. Une personne qui s'appelle Hadzar. Hadzar Studio. Ok, je pense qu'on va finir sur cet endroit. Ok, d'accord, je savais que... Je sais pas ce que ça fait si je rentre. Attends, ça fait rien du tout. Ok, autant pour moi, je vais me faire déglinguer. Parce qu'il y a une merde. Ouais, il faut migrer, faut migrer. On verra par la suite. C'est vraiment un truc. Je peux regarder le message de French Gamer. Attendez les gars. De toute façon les gars, si vous m'envoyez des messages sur Facebook, Twitter ou YouTube en privé, je les regarde, y a pas de souci. Je suis pas trop fan là de ce que j'ai fait. Je suis pas trop fan des compétences que j'ai mises. Va falloir que j'y remédie et que j'essaie de trouver quelque chose de plus intéressant à faire. Parce que je trouve pas ça extraordinaire. Je crois que je l'avais tué. Si, si, c'est bon, j'ai tué. Ok. J'en ai aucune idée, Alex. Déjà, je vais dormir, mec, après, je verrai. Parce que là, j'arrive plus à rien faire, j'arrive plus à penser, plus à réfléchir. Je suis mort. Je sais pas si vous voyez un petit peu le délire, quoi. Hier, je me suis couché, c'était 6h, je me suis levé à 10h. Je suis allé au travail, j'ai travaillé pendant 12h. J'ai terminé, je suis arrivé direct, j'ai mangé vite fait. J'ai eu même pas une demi-heure de repos et je suis revenu direct sur le live. Donc, bien sûr, c'est moi qui me l'inflige tout ça. Parce que ça me fait plaisir de faire tout ça. On s'approche du cœur. Faudrait que je fasse des tests. Ouais, des live tests. Ouais, c'est vrai que. Faut voir. Exactement, Alex. Exactement. Donc, on arrive dans un autre passage du jeu. Ok, donc je pense qu'on va s'arrêter ici. À propos, c'est quoi ça à propos? Ok, ils font la pub du SerpentGiantGame.com, le Twitter, le Facebook, la conception du jeu et tout, etc. C'est pas mal. Moi je vais arrêter ici. Tu fais un live tous les deux jours, comme ça tu te poses. Non, bon, le principe c'est de faire un live tous les jours, après d'avoir un jour par semaine pour me caler au calme.
Donc là, comme d'habitude, avant chaque fin de live, je vais mettre peut-être le petit programme que je compte faire. Donc, sachant que toutes les vidéos sont sur YouTube, les gars, n'hésitez pas à les voir. Si vous voulez voir les programmes que je ferai sur Facebook, sur YouTube et sur Twitch, j'ai beaucoup de demandes. Est-ce que tu feras ce jeu? Est-ce que tu feras ce jeu? Donc, je me suis pris un petit peu au jeu. J'ai commencé à faire des programmes en mettant quelques petits teasers.